Quel drôle d'échafaudage! Difficile d'imaginer des ouvriers circulant sur une structure aussi précaire. D'ailleurs, il n'y a personne qui travaille. On dirait plutôt que cet endroit est à l'abandon. Les bâches, qui habillent la façade, ressemblent à un champ opératoire qui validerait la mise en quarantaine de l'immeuble. Ou alors, le bâtiment est-il tout simplement en deuil ? Il y a quand même une porte ouverte en contrebas qui offre un lien vers l'extérieur. Est-ce une issue de secours à ce chantier à l'agonie que l'on aurait laissé entrouverte après une fuite précipitée ? Tout semble tellement étriqué que cela frise l'asphyxie. Il y a bien un peu de verdure au premier plan qui offrirait une hypothétique bouffée d'oxygène, mais est-ce suffisant pour amener de la vie à ce paysage inhabité ? Ah, cette fois-ci, on aperçoit une activité humaine. Écrasée, miniaturisée au milieu de cet étrange patchwork urbain, mais elle persiste. On dirait que la ville s'est organisée en échappant à toute logique spatiale, avec au centre d'un paysage architectural où l'empilement s'est substitué à l'organisationnel, une forme de vie. Quels chemins sont offerts aux citadins qui circulent entre les plans de ce paysage protéiforme ? Ce flux humain ne semble pas offrir de possibilité de retour, comme un écoulement unilatéral d'une strate à une autre le long d'un étroit passage oblique. Moi aussi, je suis complètement désorientée. Il y a bien des repères temporels ici et là qui témoignent de leur époque. Mais le paysage en son entier évoque un amalgame de formes qui semble échapper au présent. Suis-je en face d'un assemblement d'idées, une maquette façonnée à la main ? Ou bien est-ce un aléatoire empilement de souvenirs, des fragments d'une harmonie fugace comme éternelle passerelle entre passé et avenir ? Enfin un peu de verdure. On croirait presque que la nature a repris ses droits. Pourtant, cet immeuble tente d'inscrire la présence urbaine dans le paysage. Il y a quelque chose d'artificiel dans ce panorama qui m'empêche de croire en l'authenticité de l'ouvrage architectural. Voyons la scénographie. Le plateau principal, au premier plan, constitue à la fois une sorte de jardin sauvage et un sol instable pour cet immeuble qui peine à s'imposer dans le décor. On jurerait qu'il a été déposé maladroitement par la main d'un géant à l'arrière-plan, tandis qu'une frise d'arbres et de buissons viendrait en cacher la base. En amorce, les informations sont plus précises et présentes. La puissante perspective apportée par cette trappe hexagonale me rappelle le jeu subtil des matte paintings américains. C'est sûrement de là que vient le truc. Mon œil est trompé par l'image. Le citadin, lui, vit dans ce paysage factice.